take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 3 de Dying Light sur PC. Par contre entre l'épisode 2 et l'épisode 3 j'ai joué un tout petit peu quand même. Mais j'ai pas vraiment avancé dans l'histoire, j'ai lancé un truc sans faire exprès, donc faut que j'aille chercher entre ce que je devais faire dans l'épisode 2 et en quittant l'épisode 2 et là j'ai juste je sais plus trop c'était quoi, enfin il y a des colis qui sont tombés par où je suis passé et du coup faut que j'aille les récupérer. J'en ai loupé un et j'ai arrêté. Et puis j'en ai profité pour tourner un peu en rond et choper plein de trucs aussi pour faire une petite base de trucs. Seul dedans là-dedans, oh mon pauvre, tu m'étonnes que tu voulais sortir. Des pièces de PC. Ouais, t'es trop la masse, toi, je serai déjà parti quand tu seras là. Bon alors on va aller vite au point de livraison, avec un peu de chance je vais tomber sur le même genre de type où je suis arrivé sur le premier point de livraison qui vont me tuer très rapidement. Crane, la nuit va tomber, il faut que tu files. J'y suis presque, je peux y arriver. Je m'en fous, la nuit ça change rien, c'est pas comme si il y avait des grosses bébêtes la nuit en plus. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Oh, t'es fatigué. Elle saute. Bon. Alors, faut que je trouve le truc. Je suis dans la zone. Des virulents, prenez garde. Ah, il y a des virulents maintenant. C'est quoi les virulents? Je crois que j'ai ouvert ma gueule trop vite, ça y est. Deuxième nuit, il y a déjà un truc pas cool. Faut pas que je fasse du bruit à cause du virulent. Des virulents. Ouais, enfin moi ça me parle pas, il est où ce paquet là? J'espère qu'il grimpe pas partout les virulents. Eh, j'avais sauté là. J'aime pas ce bruit de barre. Coucou. Ouais. Alors, grappin. Glissade. Glissade, je pense que quoi que le grappin. Ouais, c'est pour le virer en fait. Et ça, c'est pour glisser. Enfin, je pense que ça. On verra le grappin plus tard. Bien. Et ça c'est lancer multiple et coup étourdissant. On va voir. Alors
Mais je vois pas. Mais putain, il s'est pas sauté là ou quoi? J'appuie sur les boutons pourtant. Salut toi. Un coup. Elle est là, il n'y a que des zombies. Ta gueule toi, espèce de vieux. Tiens. Ici Crane, je suis sur le point de récupérer une livraison d'antisine. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Quoi ? Mais pourquoi ? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. C'est quoi cette arnaque là? T'es un des méchants toi, c'est pas possible. Enfin, tu travailles pas pour les bons. Bonnette toi. Qui s'exécute comme un bon petit crétin. Jade, je suis au point de livraison. Y'a pas d'antisine. Rien ? Merde ! Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties, ne les laisse pas te voir. Merde ! Ils ont dû m'entendre. Ouais, t'es un bouffon, c'est pour te punir. Je crois que je suis dans la merde. Je vais crever. Il en peut plus en plus. Allez, dépêche-toi. Ouais, ça y est, c'est moi. Allez. Ah, puis il monte en plus. Non, mais je suis dans la merde là. Ils sont tous en train de se transformer. Je suis dans une espèce de merde. Je ne peux plus en plus. Hein. Oh, adieu, mon cruel. Et voilà. Bon. Eh bien... Ouais. Alors il me fout où, je dois faire quoi? Je crois que je suis en sécurité. Mais je sais pas où j'en suis dans le... Retourner à la tour. Ouais, donc... bon, bah écoutez, ça doit être bon. Sauf que j'ai perdu des points un peu vu que je suis mort. Alors par contre, je sais pas à quoi ils correspondent ces points encore. S'il y en a un d'entre vous qui le sait, vous avez qu'à me le dire directement, ça m'évitera de chercher. Mais là, j'hésite moi à ressortir de ça là. Ou attends, je peux pas dormir plutôt. Ouais, voilà.
Hein? Mais... Il est pas gentil là. Ouais. Bon. Bah go hein. On va essayer de pas faire trop de bruit. C'est trop fou que je marche, faut pas que je cours. Il se transforme pas. Putain, mais tu vois dans le noir, toi. Il me suit du regard, quoi. Alors attendez, regardez la carte, il y a des espèces de trucs blancs. Ça doit être les... Ça doit être eux les méchants. J'espère qu'ils montent pas sur les toits. Ouais, j'ai mieux que ça déjà. Bon, alors. Ça va, on n'a pas entendu. Là-dedans, on va pouvoir y aller, je crois, sans qu'on grille. Jeu de nuit. D'accord. Donc en gros, si je vais chatouiller l'autre là. Ah yes. Ah ouais, j'avais ça aussi, c'est bon. Gagner des points, 22 points. Ah ouais, j'en perds 200 quand je crève. Coucou. Quatre points. Loupé. Ah si. Con, hein, t'aimerais bien rentrer, mais tu peux pas. Deux points, je vais pas aller loin comme ça. Coucou les amis, je suis là. Je pense qu'ils sont dangereux, ils doivent faire très mal. C'est là, mais ferme. Voilà, vaut mieux pas trop chercher. Je crois que je suis pas d'attaque. Ouais, bah j'ai vu ça.
mon gars. Ça fait déjà 3 mois. Est-ce qu'ils vont nous laisser sortir? 19. C'est où déjà qu'on grimpe dedans? Je me rappelle même plus. Voilà, faut calmer. Ouais, ta gueule. Je t'emmerde, t'es capable pas de te mettre devant moi. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Bracken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir. Je dois aller lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille pour le bien de tous. Oui, que tu dis, je suis pas convaincu, moi. Bon, 19. Ah non, j'étais peut-être au 19. Bracken, enfin, je sais qu'on a besoin d'antisine, mais l'acheter à Raïs, c'est pas bon, sérieux. C'est bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, je... Mais tu plaisantes. Ce type-là, Raïs, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, pouvez nous laisser, Crane et moi. T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je vais pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Pire, je repique, hein. Il faut que je trouve, c'est là-bas, je me débarrasse de trucs pourris. Bracken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même, Rice. Et comme je dois découvrir si ce Rice est celui qui a dérobé le fichier secret du GRE, c'est l'occasion rêvée. Tu m'entends? Jade? Ouais, je te reçois. Y'a un problème? Non, non, c'est... Écoute, Crane. Ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter, parce que...
croire qu'Amir est mort en te sauvant la vie. C'est le seul moyen. Si Rice nous donne pas d'antisine, les gens vont mourir, non? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. Et Crane, j'apprécie ce que tu fais pour nous. Je... écoute, Jad, on en reparle dès que je suis là avec l'antisine, ok? Ok, reviens. Viens en un seul morceau, Crane. Ouais, bah, c'est compliqué. Hein. Il a perpète les oeils. Qu'est-ce que tu veux, j'ai... On va commencer par aller dans cette zone sécurisée. Heureusement qu'il y a la carte parce que... C'est quoi ça? Pourquoi il y a un truc bleu là-bas? Je sais pas, c'est pas... J'ai pas le temps. Putain, ouais, et pile poil là où je vais aller, cet enfoiré. Alors, c'est pas allumé. C'est quoi, c'est... Faut que j'aille au panneau, peut-être. Oh. Camion et compétences de marchandage. Utilisez des plantes pour créer des boosters qui vous permettront de combattre sans vous fatiguer. Shuriken. Prenez à fabriquer des shurikens. Ça c'est peut-être plus sympa. Mais il est où cet abruti là-bas? Ouais, il se barre partout. C'est sécurisé maintenant, non? Ils sont où les deniers? Très. Non mais s'ils rentrent tous, c'est pas un endroit sécurisé. Hein. Putain, je voulais me poser tranquille.
Tous ces cons. Sert à quoi d'avoir un truc comme ça? Bon. On se casse. Pas terrible. Spike, c'est Crane. Je suis devant un bâtiment marqué zone de quarantaine. Ça te dit quelque chose? Oh que oui. C'est la zone de quarantaine qui abritait le patient zéro. C'est là que les premiers infectés ont été transférés au début de l'épidémie. Il y a eu des problèmes très vite et le bâtiment a été abandonné. Il grouille de mordeurs. Et de provisions. Mais même les gars de Rice n'ont pas réussi à y entrer. Ouais. Alors je sens qu'il va y avoir un petit épisode là-dedans. Mais pas maintenant, hein. Parce que je crois que je suis pas prêt d'être capable de gérer ça. Avec mes clés sur moi. J'ai pas eu 3 clés. Je me suis approché un peu vite là, je crois. C'était chaud patate là. Putain, ils sont 3 là. Je peux pas sortir en plus. Ah, c'est que j'étais planqué. J'étais bien planqué. Là. Bon. Ah yes, cool. Des points. Ouais, 1000 quelques, c'est pas mal. C'est quoi ce truc rouge là? Parachutage volé. Hey, cherche ta baston, crétin. Tu peux pas nous avoir tous. J'en ai pas fini avec toi. What the fuck? L'autre, il y a un espèce de gros machin, il leur passe à côté, rien à foutre, je trace. Et puis eux, ils s'en foutent complètement. What the fuck, quoi. Pas aller les attaquer, ils vont me... Ah si, je t'abandonne. Ouais, c'est ça, t'as raison, culé. Je t'emmerde. Verra qui s'en sortira à la fin. Ok, Raim, je suis sur place. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin.
Ouais, ça doit être un piège. Il est vert déjà. Donc c'est pour l'activer. Tire pas. Main en l'air. Tu veux quoi, connard ? Je viens voir Rice. C'est Brecken qui m'envoie. Brecken ? Cet abruti dans sa tour ? Alors il veut quoi, Brecken ? Il veut passer un marché. Quel genre ? Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok. Qui passe ? Je sens que ça va être amusant. On est amis depuis combien de temps, Osman? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche? Gauche. Tu parlais de ma gauche, de la tienne. Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché? Pour de l'antisine? Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, Tes services? Ta loyauté? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité! Je crois que je te couperai la main un peu pareil. Ce serait bien que je le prenne, son truc là. Pour une fois que je peux prendre les armes qui traînent. Inventaire, est-ce que je peux jeter un truc par terre, je crois, il me semble, je l'ai déjà fait. Petit couteau simple, démonter, voilà. Alors regardez-moi ce stock d'antisine, ah, ça va, c'est la... Et ça je peux pas prendre, t'en vends pas. Tu veux pas m'en vendre, s'il te plaît, je veux des armes là. En fait, si, tu vois, ils se foutent de ma gueule, ils mettent un petit couteau, là, tu te dis, ah, tu vois, ça y est, enfin, je peux prendre le couteau. Puis derrière toi, t'as un gros tas d'armes que tu peux pas prendre. Bon. Pacté avec Rice, il est où son popote, là, que je discute. J'ai rencontré Rice. Jade a raison, c'est un psychopathe. C'est aussi l'agent qui a doublé le GRE. Et je dois maintenant coopérer avec cet enfoiré. Pas seulement à cause de ma mission, mais parce qu'il stocke des tonnes d'artisines. Putain de virus. Ok. Un rebut de la tour. Il est où ta boutique? Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Crane. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds, ou trop bourrés pour escalader ces tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine? Ça, c'est entre Rice et toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. T'as rien à vendre? Pff,
Ils vous vendaient que de la merde, quoi. C'est pas possible. Ouais, bon. Puis toi, tu vas pas me laisser rentrer en ta tour. Je sais pas quitter, franchement, je m'en cogne. Alors, dégage. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je m'en cogne de quitter. C'est quoi ça? Quitter le bâtiment. Je viens de rencontrer Karim. C'est un peu l'homme à tout faire de Rice. Son larbin en chef, en gros. Karim m'envoie réparer une antenne pour Rice. J'adore vraiment faire le garçon de course. Ah, mais il n'y a plus les armes. Bon, on va y aller. Ta gueule, toi, putain, tiens, foiré, you. C'est que la radio, je pense. Voilà, on va pas se casser la gueule. Crane. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane, terminé. Bon alors go, hop, on va se diriger là-bas. Ah. C'est pour le plaisir, donner un coup. Hey, Al Capone, t'es prêt? Je dois faire quoi exactement? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Et un empereur doit gérer son empire. Bah merci, c'est cool. Dégage, ça te concerne pas. De quoi? Qu'est-ce qui me parle? Ouais, mais j'attaque qui là? Je vais te détriper. Qu'est-ce que... Oui, mais je t'ai rien fait, moi, oh. T'as de la chance, j'ai pas de pistolet. C'est fini pour toi. Oui, c'est ça. Je parle pour rien dire. Karim, je suis à la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment, au pied de l'antenne. Oh, il y a un gros mastoc là. Oh là là. Oui, je sais, t'es pas content. Donc, ça doit être là, vers là. Pas grand chose. Putain, mais ça. Ça te chatouille, c'est tout ce que ça te fait.
quoi, l'autre il aime pas. Hein. Hop. Et voilà. Et toi aussi. Non. Tiens. Pas le prendre ça. Ah, oh, si on peut le prendre, trop de la balle. Enfin, je sais même pas si je vais pouvoir m'en servir. Hein. C'est trop lourd. Putain, je joue comme un boulet. Mais... Tiens, crève là. Oh, je suis trop de bruit. Quoi? Bon, bah écoute. J'aurais pas duré longtemps. Je suis pas doué. Oh non, je reviens là. Putain, l'abus. Oh, regardez l'autre cassos là. Putain, t'es con. T'es moitié bête. Toi. Ouais, t'étais un gros lourdeau pas très intelligent. Et maintenant, t'es un gros zombie pas très intelligent. Donc, il faut que j'aille. Putain, je suis dégoûté, j'ai même pas pu récupérer l'espèce de grosse mâche là. Putain, j'aurais pu avoir une putain d'arme. Enfin, elle doit être bien au ralenti aussi. Tiens, il y en a un autre. Ah, il y en a deux. Ouais. C'est peut-être un peu trop. Ouais. Putain, c'était quoi tout ça là? Bon, ouais. De retour ici. Toi, t'es encore vivant, comme par hasard. Bon, alors attends, j'ai une bonne idée. Voilà. Ça, c'était du bon plan. Et venez chercher encore les joues en feu. Allez, go! Viens là, toi, gros lourdeau, là. Il prend pas feu. C'est de l'arnaque. Il est en plein dans le feu, non? Alors attends. Ça explose pas là?
mais c'est quoi cette arnaque là? Au moins il est mort. Est-ce que ça en a attiré d'autres? Apparemment non. Si, un petit là-bas. Je sais pas si ça fait ça encore. Merde. Donc mon inventaire, petit couteau rouillé, on le démonte, je dégage et on prend la grosse barre lourde. Alors attends, comment je la... Voilà. Ferme. Ou ça me fatigue très vite aussi. Vas-y. Mais non. Oh ouais, bah c'est... J'ai pas intérêt de me louper quoi. Ouais, c'est pas aussi bien que ça. Tiens, c'est pas mal quand même. Ça dure pas longtemps, j'ai l'impression. Je pense. Il a l'air d'être plié déjà. Je sais pas, c'était peut-être déjà plié. Mais non, gogo. Alors. Il est où son truc là? Ouais. Oh, oh c'est dégueu. Les infectés de mes deux avec les boyaux qui dégueulent viennent me balancer une bière toxique. C'est une bonne raison. C'est quoi celui-là là? Eh mais vas-y, tu dégueules à combien de mètres? Wouah, eh mais vas-y, arrête de dégueuler aussi loin. Et moi mes shurikens. Attends, non, c'est pas des shurikens. Oh. Là. C'est bon. T'avais ça dans les mains. Non? Mais non! Mais arrête avec ton dégueulis là. Shuriken. Ça va même pas dessus. J'en ai plus. Putain. Déjà on va changer d'arme. C'est pas bon ça. Putain ouais, j'avais raison.
Ça va faire du bruit. Putain, il est chaudard ce jeu. Il faut... Ça a rien à voir avec Evil Within. Evil Within, c'était une santé de... Une promenade de santé, quoi. Putain, mais il est violent, lui, oh. Allumez ce putain de courant. Bien. Ouais, comme tu dis, ouais. Grimpe tout en haut. Go. Et non! Oh là 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 là! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouh là 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 là! Je veux pas te crocher un. Retourne là! Je préfère. Voilà. Ensuite, tu t'accroches là. Tu reprends là. Ça sera mieux. Tu m'étonnes, ouais. Tes hommes, ils devaient être trop bourrés pour faire ça, c'est clair. Vertige. Hein. Ça sert vachement d'avoir une grosse grosse caisse en haut d'une grande antenne pour mettre une petite truc dentelé.
Oui. Bon, bah écoute. Alors. Chercher un transmetteur sur l'antenne. Ah ouais, moi je suis monté tout en haut sans lire le truc. Et du coup, je dois chercher un transmetteur. Ça se trouve, il était. Il était. Ouais, ça se fait plus bas. C'est pas. Doucement. Il était pas si loin encore. Alors attends. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces! On peut plus rien allumer, là! Merde! J'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Je veux bien utiliser ça, mais... Hop. Ouais. Bah, t'es bien gentil, mais... Non, tu montes pas, bon, laisse tomber. J'ai pas pigé le principe de tout à l'heure, j'en ai fait une. On va essayer, on va voir. Arrête de me courir après, toi. Je sais que tu m'aimes, mais... Des limites. Arrête. Oui, c'est vrai, j'ai ça aussi. Putain. Je crois que je suis dans la merde. J'ai plus de bandage. Mais ils arrivent par combien? Ils se ramènent tous en fait. Tiens, crève. Il n'y a pas d'autre. T'hésites, hein? Tu hésites maintenant. Tu es tout seul, je sais plus quoi faire. Putain. C'est tout? Alors attends, est-ce que je peux pas fabriquer un... Non. Inventaire.
un truc là-dedans. Voilà. Donc. Putain, il y a des pustules partout. Cool. Bon. Donc j'ai sécurisé une zone. Hey Karim. Tu fais quoi si le deuxième émetteur est foutu? La vraie question c'est, tu fais quoi si tu déçois Rice? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Alors je pense que je vais bientôt arrêter le gameplay parce que ça doit faire un petit moment que je suis dessus et je pense que ça va durer un sacré bout de temps. Dépêche-toi. J'y vais par où à son truc là. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. C'est peut-être Christophe, son fils. Est-ce que tu veux? Il me fatigue ces deux-là. Ne lui laisse pas te barrer la route. Va entrer et activer cet émetteur. Ok. Oh, mais il est nul. Punaise, c'est pas vrai ça. Ils doivent se marrer les mecs. Donc vas-y, c'est quoi? C'est mort. Non. Ah putain, c'est polio ce mec. Enfin moi, c'est pareil. Go. Psst.
Bon. Je trouve faut que je leur parle. J'ai même pas le choix. Non, c'est bon, faut pas monter. Bloquer tous les trucs. Ah ouais. Ah, ne pas bloquer. Mais non. 15 mètres. Mais je passe comment. What the fuck? Pourquoi il veut pas s'accrocher là? Tout à l'heure il s'accrochait à un truc comme ça, ok, il veut pas. J'espère que l'escalade en valait la peine. Mais non. 8 mètres. Là, je vois pas trop. Si je m'accroche à ça, là, je le sens pas. On va essayer, hein. Si, c'est ça. C'est quand il y a les grilles, en fait, il veut pas, je crois. Alors, du coup... Ouais... Ouf. Ok, là, on y est. Le boîtier est intact. Voyons si ça en valait la peine. Hé hey Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ça fonctionne? Karim, tu me reçois? 5 sur 5. Beau travail. Tu connais le chemin pour rentrer? Le droit. Salut les gens. Bon alors, bah écoutez, attends. Je crois qu'on va se laisser dans ce bus. Par un massacre. Massacre dans le bus. Voilà.
le massacre du bus. Donc sur ce, eh bien, je vous dis bonne fin de journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense que la petite série Dying Light va durer un petit moment comparé à The Evil Within, vu le temps que je mets pour pas avancer grand chose. Je vais pas me faire tuer maintenant, moi. Donc voilà. Alors, j'espère qu'on se retrouvera rapidement pour une prochaine, enfin pour un prochain épisode. Et je vous dis. Je vous dis à bientôt. Salut à tous.